Alors voici le tarot de Oswald qui est dans un état un petit peu lamentable. Je ne suis pas responsable de son état. Je l'ai acheté comme ça. Il était déjà très abîmé. Donc chez US Games Systems 1976. Donc je prends soin de mes jeux. Donc si je l'ai acheté, c'est parce qu'il était pas cher. Donc je me suis dit, bon, allez. Ce n'est pas grave, même si la boîte est abîmée, le jeu a été vraiment beaucoup utilisé. Donc là, c'est le petit livret, qui est en fait un dépliant, avec un tableau de correspondance, avec les titres en français, en anglais, les lettres hébraïques. Et on a ici, de l'autre côté, un tableau avec également des significations, une sorte de mémo. J'essaie de le remettre comme il était. Voici le jeu en lui-même. Il est abîmé, hein. Là, il a été vraiment beaucoup utilisé. D'ailleurs, les majeurs ont été plus utilisés que les mineurs, ça se voit. Alors, la vidéo le rend pas trop, mais les fonds en fait là des cartes ont un effet un peu doré. En fonction des reflets de la lumière. Donc les mineurs ne sont pas illustrés, hein, donc c'est pas franchement très intéressant. Je vais les passer. On a les figures ici. Ensuite, voilà, pareil, elles ne sont pas illustrées. Les figures. Les bâtons. Et voilà. En termes de qualité, c'est une qualité classique, hein.